Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tenkraft. On se retrouve aujourd'hui sur Urbeck. On se retrouve pour un dernier épisode. Et oui les amis, on est bien sur un dernier épisode je pense, parce que on ne va pas pouvoir vous montrer plus que ça. En tout cas je ne vais pas pouvoir vous montrer plus que ça, parce que là on est vraiment sur une taille complètement énorme. J'ai travaillé, j'ai joué, j'ai avancé un petit peu hors vidéo. Et du coup on va essayer de voir ce que ça donne pour un dernier final, c'est-à-dire que j'ai complètement avancé le gameplay. Vous voyez bien, on a un énorme centre-ville, on a plein de hauteurs, on a plein de monuments un peu exceptionnels. On va repasser tout ça en vue et on est parti. Alors, juste avant de commencer la vidéo, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour discuter avec moi et les autres abonnés autour d'Urbeck, de City Skylines, de Raft et plein d'autres jeux que je fais sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur, mon Twitter, si vous souhaitez être au courant des dernières news. Allez, on est parti, let's go. Et dans un premier temps, je vais vous montrer l'intégralité de la map. J'espère, j'ose espérer que vous n'allez pas avoir des pertes de FPS, parce que des fois quand je me balade, j'ai des pertes de FPS étant donné que l'intégralité de la carte est recouverte. On peut voir dans un premier temps que je me suis complètement étalé sur quasi l'intégralité de la carte. On a quasi l'intégralité de la carte qui est complétée, dont on va dire au moins 60% de champs. Donc on voit bien qu'on a étendu des champs jusque là. Jusque là j'ai même étendu des champs quasiment jusque là. On a toujours notre forêt centrale qui est toujours là, je le précise. On est venu, on s'était lâché la fois précédente avec une partie des énergies renouvelables entre autres. Donc que vous retrouvez là, j'ai fait tout un pan on va dire d'éoliennes comme ça, c'est plutôt sympa. On retrouve même des champs ici sur la petite île centrale. On retrouve des champs un peu partout, parce que oui, les champs restent le plus compliqué, le plus complexe dans Urbeck à gérer. En tout cas c'est ce que je trouve. On a même des champs un petit peu en haut ici. J'ai fait quelques petits tests un petit peu par-ci par-là, mais on reviendra sur les champs dans une deuxième partie de vidéo, après que je vous ai fait un récap, un débrief complet. Vous verrez, car j'ai essayé, on va dire, de faire un layout de champ optimisé. Et on va essayer de voir ça ensemble. Je vais vous donner un petit peu de conseils. Et puis bah, si vous avez d'autres idées, d'autres optimisations sur les champs, vous n'hésiterez pas dans les commentaires à me le dire. Et on essaiera d'étudier tout ça ensemble. Bon alors, si on fait un récap global, on est à 40 000 de population, on a un bonheur de 11,4. On a pas mal d'espace vert. Le sport, je ne l'ai pas tellement amélioré, ainsi que la vie nocturne non plus. Je suis désolé, mes amis qui aiment aller dans les bars. Il n'y a pas beaucoup de bars. Bref, on a beaucoup de culture, j'ai beaucoup boosté la culture. L'auto-organisation n'a pas grand-chose, la foi pas grand-chose. Et par contre, on a assez de pollution, pas mal de pollution. Même si j'ai essayé de diminuer tout ça, je vais montrer tout ça juste après. Qu'est-ce qu'on a débloqué de récent? Eh bien, on avait l'acier qui était déjà débloqué, la marchandise, la science. Et on a terminé par la biomasse qui est une toute nouvelle ressource. Alors, c'est là où je trouve bizarre qu'il y ait 32 ressources. Parce que là, à l'heure actuelle, je ne suis pas à 32. Je suis à 2, 4, 6... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, on est qu'à 21 ressources, 21 ressources. Alors je ne sais pas où sont les 32 ressources. En tout cas, j'avais lu 32 hein, dans la description sur Steam. Alors bon, peut-être que du coup, comme on est en bêta, il y aura des ressources qui vont venir s'ajouter avec le temps. C'est une très très bonne question justement. Allez, on s'était lâché la fois précédente avec, il me semble, la création de l'université. Vous voyez bien que si je me positionne un peu en vue isométrique, j'ai pu rajouter la faculté d'art et de lettres, j'ai pu rajouter la faculté de mathématiques, la faculté d'éducation et la faculté de botanique. Tout ça pourquoi? Pour nous booster la production de sciences, bien entendu. Et vous verrez, la science nous sert à vraiment pas mal de choses pour construire d'autres bâtiments. J'ai construit un énorme complexe un peu ici. Vous voyez, une série d'HLM. Ici, là, tac, tac, tac. Même ici, un petit peu, on a des HLM confortables. Bon, celui-ci est en HLM pauvre. Je suis venu mettre un petit centre, enfin, plutôt un gros centre commercial sur cette partie-là. On a d'autres bâtiments résidentiels de 5 étages qui sont ici. Et bon, ici, on retrouve, bien sûr, la maison des mineurs de charbon. Alors, comme prévu, on a des immeubles verts de 5 étages. Les immeubles verts de 5 étages se débloquent, il me semble,
avec beaucoup beaucoup d'espaces verts dans les environs. Et alors pourquoi ce sont des immeubles verts? Parce que ici on a un énorme parc avec un parc floral en son centre. Et du coup ça booste un petit peu tous les espaces verts aux alentours. Là vous voyez, on a quasiment que des usages mixtes, résidentiel, commercial, vert, vous voyez, que des bâtiments un peu verts, un peu écolo. Et ça franchement c'est plutôt pas mal, ça permet de faire un quartier à thème comme on aurait pu l'imaginer. On peut visualiser un petit peu donc des mansions. Donc ça j'avais déjà fait la fois précédente, j'en ai refait une ici. On peut visualiser la centrale nucléaire qui produit 6 500 d'électricité. Autant vous dire que en termes d'énergie, je suis carrément en positif, il n'y a pas de souci. On peut éventuellement forcer la création d'une deuxième centrale nucléaire pour débloquer la faculté de sciences qu'on va pouvoir mettre à proximité hein, d'une université. Et en parlant d'université, voilà, j'avais bien fait une autre université dans le sud-sud-est de la ville, enfin même est, purement est de la ville, avec juste à côté un musée qu'on débloque, alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite, dans la culture, voilà. Le musée qu'on débloque bien, bien, bien plus tard. Alors, je ne sais plus ce qu'il fallait, mais en tout cas, il fallait vraiment débloquer pas mal de choses. En particulier, je crois, le cap des 33 000 habitants. Le cap des 33 000 habitants débloque vraiment, vraiment beaucoup de choses. On a débloqué la bibliothèque. La bibliothèque qui est, qui est, qui est, qui est, qui est. Je ne sais plus. C'est une très bonne question. Je vais essayer de retrouver ça. Ne vous inquiétez pas. Alors. Bon, on recherchera un peu plus tard. Qu'est-ce que j'avais d'autre en culture de débloquer? Les sculptures. Alors, les sculptures, c'est assez satisfaisant. Les cultures, c'est assez satisfaisant pour ceux qui aiment bien les couleurs. Alors, pourquoi? Parce que, tout simplement, vous allez mettre des sculptures. Et si vous n'êtes pas dans un quartier à thème, comme par exemple le quartier religieux, parce que vous avez une église juste à côté, eh bien, vos maisons se transforment en quartier des artistes. Quartier des artistes, ça va être un petit peu une sorte de Montmartre, si vous voulez, un petit peu avec beaucoup, beaucoup de maisons colorées grâce à de la culture, justement. C'est la culture qui dirige un peu ce quartier. Et du coup, vous avez des petites maisons un petit peu colorées qui vous font un quartier des artistes qui booste considérablement le bonheur. Et en plus de booster le bonheur, vous booste la culture. 13 de bonheur, 2 de culture, en particulier du coup. Pour débloquer le musée, il me fallait aussi beaucoup de culture, je crois 100 de culture. C'est pour ça, là, vous voyez, j'ai carrément boosté la culture. Je suis passé à 123, j'ai dépassé le cap des 100, ce qui m'a permis de pouvoir construire tout ce genre de choses. Dès que vous passez à 100 de culture, ça débloque énormément de choses. Et donc, concrètement, ça débloque aussi le... je vous dis des bêtises. Je croyais que le stade de football était débloqué, mais non. Stade de football, on a encore des bâtiments qui ne sont pas débloqués, vous voyez bien. On a le terrain de tennis, on a le terrain de football, le stade de football. Et là, bon, par contre, on est sur... 100 de sport. Bon, très bien. Alors, est-ce que dans le même système que la culture, on pourrait avoir un quartier sportif? C'est une très très bonne question. Je sais pas du tout. Par contre, on visualise bien que le cap, c'est quand même les 50 000 habitants. Là, actuellement, je suis à 40 448. Je suis quand même encore assez lent. On visualise aussi que la grosse grosse condition, c'est quand même d'avoir 5 000 de travail. Sauf que moi, je n'en stocke que 3 000. Et c'était une question qui était présente au précédent épisode. Comment augmente-t-on le stockage de travail? Eh bien, j'ai trouvé, les amis, tout simplement en faisant des usines. Vous faites des usines et vous stockez 100 de travail. Donc, autant vous dire qu'il faut quand même en faire de manière conséquente pour monter à 5 000. Bon, 5 000 étant, je pense, le cap ultime. Je n'ai pas débloqué non plus le cimetière. Il faut pas mal de fois. Et la cathédrale, il faut de nouveau 50 000 de population et 100 de fois. Si on passe un petit peu à la vie nocturne, il n'y a pas grand-chose. Dans les parcs, il n'y a pas grand-chose. Si ce n'est l'étang que je n'ai pas débloqué, il faut 12 de bonheur. 12 de bonheur, je suis à 11,4. Bon, je n'ai pas réussi à aller tellement plus au-dessus, hein, mais en tout cas, l'étang, c'est dommage, je ne pourrais pas vous le montrer. En termes d'industrie avancée, eh bien écoutez, on a quasiment tout fait. Les panneaux solaires, l'énergie éolienne, on a la centrale nucléaire qui est ici, on a même les filtres à particules. Alors, filtres à particules... Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis ça, mais en tout cas, ça permet de réduire la pollution de 8. Et ça se place dans un... Ça se place dans... Alors, attendez, filtre à particules. Voilà, il vous faut une centrale électrique au charbon lourd à côté.
Donc concrètement, ouais, ça va venir réduire de 8 la pollution. Et donc là, vous voyez, sur la 145, j'ai mis, bah, du coup, j'ai, en l'occurrence, je n'ai mis aucun filtre à particules. Et si par exemple j'en mets un, là on voit bien que ça descend la pollution, moins 8 en filtre de particules, ça s'affiche juste là. Bon, ça permet de diminuer la pollution. Alors qu'est-ce que ça fait derrière? Je ne sais pas. Est-ce que ça atteint le bonheur? C'est une très très bonne question. Moi je ne pense pas. Je ne pense pas sincèrement. Mais en tout cas, ça vous permet de diminuer la pollution. Peut-être dans un carré. Dans son carré d'action. C'est peut-être éventuellement la solution. Alors. Qu'est-ce que j'ai pu faire davantage? Le sécheur à biomasse qui m'a justement débloqué la ressource biomasse. Le sécheur à biomasse, il vous faut deux usines. Deux scieries, pardon. Donc je suis venu construire une deuxième scierie. Je suis venu faire un séchoir à biomasse qui vous produit 20 de biomasse et qui stocke 20 de biomasse. Et cette biomasse, vous pouvez ensuite la stocker dans le stockage de biomasse qui vous permet de produire 800 d'électricité. Donc 800 d'électricité supplémentaire, c'est juste incroyable. Il faut la positionner à côté d'une centrale électrique au charbon lourd, donc en l'occurrence celle-ci, juste à côté. Et elle vous stocke, mais elle vous en consomme aussi un petit peu. Elle vous consomme de la science et de la biomasse, donc il faut bien faire attention. Sur quoi j'ai eu beaucoup de mal, c'était l'acier et les sciences. Acier, science, faut faire très 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 attention, parce que dès que vous allez descendre en science, ça va être, la chute va être très très rapide. J'ai dû me recommencer un moment à 2-3 fois parce que j'ai joué un peu sur le fil. Et entre la science, l'acier et la nourriture, j'ai eu une dégringolade complète de tous mes bâtiments. Et je vais vous expliquer ça juste après. Vous visualisez mon magnifique aéroport, comme City Skylines Airport. On a un magnifique aéroport juste là. L'aéroport qui vous permet de booster considérablement la connectivité et aussi le fait de pouvoir construire, vous allez voir, pas mal de choses. Et franchement, l'aéroport, il est juste indispensable. L'aéroport se débloque, il me semble, à 33 000 de population. Donc en l'occurrence, j'ai bien débloqué. J'ai fait, si on peut parler de connectivité, j'ai aussi fait une station de métro. La station de métro centrale est indispensable pour ensuite faire des arrêts de métro. Donc, petite station de métro, je vais aller zoomer en vue première personne. Et vous voyez la petite station de métro centrale. Bon, je l'ai mis là, j'ai dû supprimer une petite route ici et deux ou trois bâtiments. Mais en tout cas, petite vue sur la station centrale. Et alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent les stations de métro. Voilà nos fameuses stations de métro. Donc, vous avez comme les arrêts de bus. Juste à les poser en flanc de route et ça vous augmente la connectivité dans le rayon. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça permet d'éviter l'apparition de parking. Ça permet d'éviter l'apparition, par exemple, vous voyez, de parking comme ça. Ça permet d'éviter tout ça. On peut les poser quasiment n'importe où. Il n'y a pas de gestion de ligne. Il n'y a pas de gestion de ligne de bus. Il n'y a pas de gestion de ligne de métro. Là, c'est vraiment comme, on pourrait le dire, organique, mais organique grâce à un système de puzzle. C'est vraiment un jeu qui est concentré sur le puzzle, la réflexion, la logique et sur, comment je peux appeler ça, sur la gestion des ressources. Comme on me l'avait dit, c'est vrai que le jeu est pas très beau, hein, c'est très pixelisé, c'est très carré. Vous voyez un petit peu, donc on pourrait quasiment penser à du Minecraft, mais le jeu ne se concentre vraiment pas là-dessus. C'est vraiment pas sur les graphismes qu'on va jouer, c'est vraiment sur toute cette partie gestion, puzzle, stratégie, positionnement de tous les différents bâtiments, de toutes les différentes productions, ressources, un petit peu, tout ce que je viens de dire. Hein. On va pas tourner en rond mille ans. En termes de nourriture, qu'est-ce qui nous booste en termes de nourriture? On a eu l'usine alimentaire qui est juste là, qui est à poser avec une condition de 3 hangars agricoles dans un rayon de 8 et pas d'autres usines alimentaires, bien entendu. Mais ce qui m'a considérablement boosté la production de nourriture, c'est bien ce bâtiment-là. Alors pourquoi je zoome? Ah, d'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose, c'est assez intéressant. C'est ce bâtiment-ci, le vert, celui-ci. C'est un centre de recherche agricole que vous pouvez faire, que vous débloquez, je crois, il me semble, à 33 000 d'habitants aussi. Un centre de recherche agricole qui vous permet, écoutez bien, de produire 9000 de ressources. Et par contre, il consomme 42 sciences. Et c'est là où justement, je vous disais, j'ai eu une dégringolade parce que j'ai joué avec la science, j'ai joué avec l'acier et la nourriture. Et malheureusement, à un moment, j'avais plus de sciences. J'avais plus de sciences
Le problème étant que plus de science, tout ce qui consomme de la science s'est mis à se déconstruire, s'est mis à rétrograder. Et j'ai eu un mal fou. J'ai eu un mal fou à tout reconstruire, c'est-à-dire que tous mes bâtiments se sont mis à dégringoler. J'avais plus de nourriture, j'avais plus rien, tout était en négatif. Alors c'est très très punitif. C'est très très punitif, évitez de jouer à ça, c'est-à-dire essayer de vraiment de garder vos ressources en positif, parce que concrètement, j'ai eu beaucoup de mal à garder en fait ce bâtiment proche. Alors pourquoi ce bâtiment pourquoi j'ai eu une dégringolade? Parce que ce bâtiment a besoin de 15 bureaux. Les bureaux, c'est quoi? C'est grâce à ce bâtiment-là, c'est un usage mixte de bureaux et de commerce de 8 étages. Quelle est la condition pour passer d'un usage mixte résidentiel commercial de 5 étages à un bâtiment commercial de 8 étages, hein, l'usage mixte résidentiel commercial de 8 étages? Eh bien, tout simplement, il vous faut, il me semble, 90 carrés avec au moins 5 de commerce dans un rayon de 7. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir beaucoup, beaucoup de commerce dans le rayon. Dès que vous n'avez plus suffisamment de commerce dans votre rayon de 7, eh bien, tous les bureaux redescendent. Le centre de recherche agricole va se déconstruire parce que vous n'aurez plus de bureaux aux alentours. Et vous allez avoir moins 9000, c'est ce qui s'est passé pour moi. Vous allez voir moins 9000 en nourriture et là tout d'un coup, tous vos bâtiments redescendent. Tous vos bâtiments redescendent parce qu'il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus de nourriture et pour rattraper le coup, et bah c'est compliqué quoi. Donc faites très très attention à tout ça. C'est chaud. C'est chaud de jouer avec les ressources, faut vraiment faire très attention. À un certain niveau, c'est très très complexe. On a ces autres bâtiments que j'ai pu débloquer, ce sont des immeubles de 12 étages. Avec une population de 120 résidents et 12 de bonheur, donc ça reste correct en termes de bonheur, mais par contre on a 120 résidents, donc c'est pas mal. Immeuble de 12 étages, on a du bureau, on a du commerce, on a des immeubles verts en mixte, on a pas mal de choses. Et bah franchement, c'est juste hyper hyper poussé, je trouve. Hein, on retrouve ici des immeubles de 12 étages. Alors c'est quoi la différence entre l'usage mixte et l'usage... Là c'est purement du résidentiel. D'ailleurs je ne sais même plus comment on fait pour évoluer sur de l'immeuble à 12 étages à partir de... Alors on part d'un immeuble résidentiel de 5 étages et voilà, on monte en immeuble de résidentiel de 12 étages grâce à du bureau à proximité. Donc là ça commence vraiment à être complexe, il y a beaucoup de choses à gérer. Peut-être que en termes de ressources, quand ils disent 32 ressources, c'est peut-être aussi le commerce. Et parce que le commerce là on le voit pas d'afficher, le bureau non plus on le voit pas d'afficher, donc c'est peut-être ça qui est aussi pris en compte, hein. Le commerce, le bureau, tout ça c'est peut-être aussi les ressources, donc nous les voilà les fameuses 32 ressources peut-être qui ne sont pas affichées forcément ici. Alors peut-être que ça peut être intéressant de les afficher, hein. Ça peut être une petite note au développeur pour éventuellement améliorer toute cette partie là des ressources non affichées. On garde cette fois-ci à l'est, comme j'avais dit, notre fameux quartier religieux. On garde tout au nord, nord-est, nos fameux carrés de copropriété. Voilà ce que je peux vous dire. Le musée qui est pas mal, qui booste le loisir, qui booste la culture. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour. En termes de bâtiments qui nous manquent, il nous manque le centre de recherche agricole avancé, qui nécessite 50 000 de population, qui nécessite 1000, vous voyez, hein. 1000 de travail qualifié, 1000 de travail hautement qualifié, il y a beaucoup d'acier, il y a beaucoup de science. Par contre ça produit 21 000 de nourriture, c'est incroyable. Par contre ça consomme beaucoup de science et c'est là où je vous dis, il faut vraiment construire beaucoup d'universités parce que là en l'occurrence je peux pas le construire. Et même si j'avais 50 000 de population, je pourrais pas le construire. Il nous faut, on a aussi un centre de recherche sur l'énergie. Cette fois-ci on va produire 13 000 d'énergie, donc carrément 10 fois plus que la centrale nucléaire. Bon, ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est vraiment les bâtiments ultimes, je pense. Bon, au centre commercial, je vous l'ai montré, l'hôtel de ville, je vous l'ai montré. Tout ça, on a bien passé. On a différentes facultés qui sont à débloquer. Là, par exemple, il nous faut de la librairie anarchiste, il nous faut 5 bibliothèques. Là, il nous faut de l'usine pour la faculté d'ingénierie. On a le centre sportif universitaire, il nous faut 100 de sport. Le sport, je vois mal comment arriver à 100 parce que c'est, ouais, c'est assez complexe quand même, je trouve. Comment arriver à 100 alors que je ne suis qu'à 6.
voyez? Un peu compliqué. Bref. En termes d'industrie, écoutez, on a quasiment fait à peu près le tour. Si ce n'est que je voulais vous montrer ce fameux dépôt, le module de fer, module de logistique du fer, qui nous permet de booster la production de fer de 60. En l'occurrence, là, j'en ai plus 36. À construire à proximité, hein, à proximité justement de mine de fer juste à côté, donc la mine de fer lourde est juste là. Il y a pas mal de bâtiments de production que je n'ai pas construit, la mine de charbon à ciel ouvert, la mine de fer profonde que je n'ai pas construit, la mine de minerai de fer à ciel ouvert que je n'ai pas construit non plus. Tout ça tout simplement pourquoi? Pour booster la production de fer, pour booster la production de charbon aussi. Bon, en l'occurrence là on peut vraiment booster la production de fer. Là je suis à plus 36, ça reste quand même très très bien. Écoutez les amis, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. On a déjà fait le tour, c'est pas mal. Maintenant, ça va être à vous si vous souhaitez encore plus approfondir. Là, je rappelle, je suis sur une map de taille moyenne. On peut très bien aller sur une map de taille petite pour vraiment augmenter le défi. On peut aller sur une map de taille géante si vous voulez vraiment construire des villes hyper grosses. Peut-être vérifier les performances de votre PC parce que ça peut être assez important. Voilà grosso modo ce que je peux vous montrer. Je trouve le jeu très intéressant. On pourrait y passer des heures à essayer de calculer à la moindre parcelle près l'optimisation globale de toutes les ressources, de tous les placements. C'est assez intéressant. Là, moi, je ne me suis pas forcément creusé la tête à la cellule près, si vous voulez. Mais arrivé à un certain niveau, il faut quand même le calculer. Là, je vous le garantis, à un certain niveau, il faut commencer à calculer. Vous vous rendez compte que les champs prennent de plus en plus de place. Bon, les champs, ok, c'est peut-être pas très opti, je suis d'accord. Mais par contre, moi, ce que je peux vous proposer sur les champs, c'est tout simplement de petit à petit remplacer les champs par des forêts. Mais les forêts, il n'y a pas de pollution. Donc, il faut enlever les silos modernes, il faut enlever les usines alimentaires, il faut enlever les hangars agricoles qui, tout cela, produisent de la pollution. Ou alors peut-être, il faut créer un filtre à particules. Sauf que le filtre à particules ne peut être construit que à côté de la centrale électrique au charbon lourd. Alors du coup, je me suis dit, bah non, finalement, c'est pas possible. Vous voyez, donc, bon, voilà, concrètement, je vous propose très rapidement de basculer sur une autre partie, une partie un petit peu essai, un petit peu test, où j'ai essayé de faire un layout de champ que je peux vous montrer, un layout débutant, c'est-à-dire qu'on doit avoir peut-être les 4 premiers ou les 5 premiers, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au silo. Ça peut déjà vous donner une sorte d'idée de layout de champ pour les débutants. Vous voyez, pour les débuts de partie, ça sera certainement pas utile pour la fin de partie. Alors, par contre, juste un petit commentaire que je voulais faire. Il n'y a clairement pas beaucoup de trafic, il n'y a clairement pas beaucoup de bouchons. Je ne sais pas si le développeur se sont vraiment orientés là-dessus. Mais en tout cas, même, vous voyez là où il y a beaucoup les immeubles de 8 étages, de 12 étages, concrètement, il n'y a vraiment pas beaucoup de bouchons. Alors certes, j'ai mis du bus, j'ai mis du métro, mais voilà, c'est pas terrible. Je voulais vous montrer une dernière fois avant de basculer sur l'autre map, la vue à la première personne. Des immeubles de 12 étages, donc c'est franchement pas mal. On a des belles vues, là on a une station de métro, on le voit bien. Si je vais un peu plus loin, on clique gauche pour monter, on clique droit pour descendre. Assez simple. On a des immeubles, là ce sont des mixtes bureaux, vous voyez, un mixte bureau. On a des petits parcs dans le centre. Et alors, j'avais trouvé des bâtiments et je trouve ça super intéressant. Des bâtiments qui sont creux en fait. Je crois que c'est les usages mixtes. Usage mixte résidentiel, ils sont creux, voilà, ici même. Et en fait, vous pouvez passer de bâtiments usage mixte résidentiel à d'autres bâtiments usage mixte résidentiel via ces galeries, en fait. Et je trouve ça assez incroyable. Bon, là, en l'occurrence, on est sur un autre type de bâtiment. Mais je trouve ça hyper incroyable. C'est hyper bien fait, hyper bien pensé, je trouve. Vous voyez, donc là, c'est toute le rez-de-chaussée, c'est vraiment que du commerce. On peut traverser. On va traverser tranquillement, on va se retrouver sur l'autre ruelle d'à côté. vous avez un labyrinthe, vous avez un dédale de petites ruelles comme ça. Et en fait, à l'intérieur, ce sont que des commerces. Et franchement, je trouve ça bien pensé de la part du dev. C'est assez bien pensé, je trouve.
En tout cas, moi, je trouve ça super bien pensé. Donc, voilà, grosso modo, une vue qui est pas mal. Une autre vue, bah, c'est celle, bien sûr, de l'aéroport, s'il veut bien. Petit aéroport plutôt sympa avec la tour de contrôle. Avec la petite piste qui est relativement courte quand même. Mais bon, c'est la taille de c'est la taille du jeu, hein, bien entendu. Donc, bien sûr, l'aéroport se décompose en deux constructions. Hein. J'ai oublié de préciser, vous avez l'aéroport et ensuite la piste à construire. Vraiment deux constructions bien séparées. Vous ne pouvez pas construire la piste sans l'aéroport, bien entendu. C'est logique. Voilà un petit peu l'hôtel de ville qu'on retrouve ici. J'ai vraiment pas. Je me suis vraiment pas intéressé aux politiques. Mais concrètement, il y a de quoi avoir de la lecture. Il y a de quoi avoir beaucoup de choses. Et en fait, les politiques vont pouvoir vous différencier un peu tout le gameplay. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Là, vous voyez, la production de nourriture augmente de 10%, le bonheur diminue de 1. Interdire les syndicats agricoles, encourager l'auto-exploitation, la production de main-d'œuvre hautement qualifiée augmente de 12%, le bonheur diminue de 1. Bon, voilà, après, on peut essayer de voir si on peut pas augmenter le bonheur pour débloquer justement ce fameux étang. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter le bonheur de 1? Il doit y avoir très certainement. Ah, ici, le bonheur, non, le bonheur est réduit de 1. J'ai l'impression à chaque fois c'est le bonheur qui en pâtit, hein. Là, les parcs produisent plus 0,5 de vie nocturne, moins 0,4 d'espace vert. Augmente la main-d'œuvre non qualifiée de 30%, diminue le bonheur par 3. Ouais, d'accord. Autoriser la consommation d'alcool dans les parcs. Augmente la vie nocturne de 20%, augmente la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée de 5%. Bon, vous voyez, il y a vraiment pas mal de lectures à faire. Et là, je vois pas tellement ce qui pourrait augmenter. Alors moi j'avais activé jardin commun, les parcs produisent 10 d'aliments et consomment 5 travaux non qualifiés. Bon d'accord. Réduction des jours de travail. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais il faut regarder parce que il faut vraiment fouiller et ça je vous laisserai le soin de bien fouiller. Justement pour regarder un petit peu si on peut pas monter le bonheur ou si vous voulez focus sur des choses, si vous avez des ressources qui sont en négatif, ben on peut essayer de jouer sur les politiques justement. La vie de quartier. Ah, le bonheur dans les immeubles mixtes, hein, augmente de 2. Bah écoutez, hey, on va faire ça. Par contre, les centres commerciaux et les supermarchés ne produisent plus de services alimentaires et d'outils. D'accord. Ouais, ça peut être intéressant, incompatible avec des cinémas dans le centre commercial. Bon, d'accord, très bien. Bon, on peut peut-être éventuellement juste l'activer pour voir. On a débloqué l'étang. Je vais vous faire l'étang juste dans le coin ici. Juste pour vous montrer à quoi il ressemble. Ah, on peut faire en fait. Ok, c'est du quadrillage. Bon, écoutez, c'est pas mal. Bon, je vais quand même retourner parce que j'avais vraiment fait des quartiers grâce au centre commercial. Il y a vraiment. Le centre commercial, il produit tout. Il produit des services d'alimentation, de l'outil, du commerce, de la connectivité. Et franchement, c'est super. Enfin, il enlève de la connectivité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai plein de parkings ici. Mais il produit du service d'alimentation et il produit de l'outil. Alors, la vie de quartier, je vais désactiver. Ah, faut attendre 2 mois. D'accord. Ah, je me suis fait avoir. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. C'est bien pour ça que justement, on avait eu des immeubles verts de 5 étages. Parce que justement, là, vous voyez, on commence à avoir justement les points d'exclamation. Parce que il y a plus d'alimentation, il n'y a plus d'outils. Donc là, on va avoir un petit problème sur cette partie-là. Donc, je vais m'empresser de basculer sur une autre partie où vous avez. On va retrouver ce fameux layout de chambre. Allez, on se retrouve juste après. Allez les amis, on se retrouve sur une petite partie test. Vraiment une toute petite partie, vraiment un truc débutant, hein, vous voyez. J'avais pris une carte géante. Juste pour vous montrer la taille de la carte géante, c'est quand même pas du tout la même chose. Hein. Qu'on soit bien d'accord, là on a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'espace. Vous voyez un petit peu cette taille-là? Incroyable, on peut vraiment faire une ville énormissime. C'est juste incroyable. Je pense que là, les habitants, vous les atteignez facilement, les 50 000. C'est vrai que sur une carte moyenne, c'est peut-être un peu plus compliqué d'atteindre les 50 000, quoiqu'il faut peut-être optimiser. Mais en tout cas, là, vous voyez, si vous voulez vous amuser, vous avez cette fameuse carte géante qui est juste immense. Elle est immense. C'est un truc de fou. Alors, je tenais à préciser quand même qu'il y a deux autres difficultés, c'est désert
et neige, il me semble. Et vous allez voir, il y a des choses qui... Il y a du gameplay particulier. Il y a du gameplay particulier parce que il y a des manières de gérer le chauffage, il y a des manières de gérer la sécheresse, d'alimenter les champs, et c'est assez bien fait, je trouve. Mais ça, je vous laisserai éventuellement le découvrir par vous-même. Alors, petit layout de champ, je vous montre. On est sur du carré de 5 par 5. Pourquoi? Parce que, en fait, les maisons de campagne, et ça, je l'avais bien calculé, les maisons de campagne sont dans un rayon de 5, justement. Alors, il ne faut pas de maisons de campagne dans un rayon de 5. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça qu'en fait, j'ai fait des champs de 5 séparés par une route. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, on a un champ de 5 et au centre, on a la maison de campagne. On a la maison de campagne, la maison de campagne, la maison de campagne. Vous voyez, dans tous les champs au centre, vous avez des maisons de campagne. Alors, l'idée, c'est d'oublier un petit peu, si je puis dire, et je vais mettre pause. L'idée, c'est d'oublier cette partie-là. On oublie cette partie-là et on va raisonner sur deux lanes. D'accord? Deux lignes qui sont complètement parallèles. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'alterner certaines positions, certains emplacements. En l'occurrence, cette tiles-là, par exemple, c'est vraiment la tiles un petit peu par défaut. C'est-à-dire qu'on va avoir une tiles avec la maison de campagne, 4 fermiers. Éventuellement, on peut encore mettre plus de fermiers, mais attention, au bout de 12 fermes. Et actuellement, là, j'en ai 12. C'est pour ça que je vous dis que c'est quasiment le layout parfait. Parce que vous avez la maison de campagne, vous avez les 4 fermiers. Si vous enlevez un champ supplémentaire, la maison de campagne va disparaître. Parce que là, on est à 12, donc c'est pile poil ce qu'il faut. On a le silo sur la gauche et on a la maison patronale sur le haut de la parcelle. Donc ça, c'est un champ optimisé. Alors pourquoi on ne peut pas le répéter à chaque fois? C'est-à-dire que pourquoi le champ... Juste après, on ne peut pas le répéter, tout simplement parce que la maison patronale ne peut pas se répéter tous les 5, mais plutôt tous les 8, et le silo ne peut pas se répéter tous les 5, mais plutôt tous les 6. Et c'est là où ça change, parce que le silo, la maison de campagne et la maison patronale ont tous un rayon de conditions différent. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais j'ai potentiellement plus ou moins réussi à trouver quelque chose. En l'occurrence, le silo, il vous faut deux maisons de campagne. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de vous dire, il faut travailler sur deux lanes. Ici, on pourrait très bien rajouter des petits fermiers locataires un petit peu partout. Je rappelle, le fermier locataire produit 50 quand un champ en produit que 14. Donc, ne pas hésiter à mettre, par exemple, des fermiers locataires tous les 3, comme ceci, par exemple. On peut répéter ça deux ou trois fois hein, sur chaque lane. Attention à ne pas descendre en dessous de 12 carrés de ferme pour que la maison de campagne reste pop. Et tout ça, on va le répéter, mais un champ sur deux. C'est-à-dire que on va le répéter ici. Donc, on saute un champ, on le répète. Pareil ici, hein, on peut refaire des fermiers locataires, il n'y a vraiment pas de souci. Et vous voyez, on va répéter exactement la même chose. Le silo ici, la maison patronale ici, le silo ici, la maison patronale ici. Vous voyez? Donc, ça, franchement, c'est plutôt pas mal. On a répété exactement le même champ ici, maison patronale, avec 4 fermiers locataires, un silo, une maison patronale. Vous voyez, là je vous ai dit maison patronale, maison de campagne, pardon. Maison de campagne au centre, maison patronale, silo, et à chaque fois vous allez le répéter. Maison de campagne, 4 fermiers locataires, maison patronale, silo, en ayant sauté un champ. Vous voyez, et tout ça, on peut le dédoubler, bien entendu. On peut le dédoubler sur deux outlanes, juste en parallèle, d'accord? Je vais essayer de vous le montrer rapidement. Mais attention, il faut toujours un champ d'écart à chaque fois. À chaque fois. Donc là, en l'occurrence, on peut très bien faire... Je vais essayer de leur faire 5-5. 5-5. Bon, écoutez, on peut pousser un peu plus loin. On fait les routes de part et d'autre. En tout cas, alors vous n'êtes pas forcément obligé de faire des routes, hein. Bien sûr, vous pouvez faire des champs, mais il faut vraiment faire du 5 par 5, c'est ultra important. On supprime la tiles au centre, on vient poser notre maison de campagne, d'accord? On vient poser tous nos fermiers locataires si vous le souhaitez. On va refaire. Pas assez de ressources. Pas assez de ressources. Pas assez de ressources. Qu'est-ce qu'il nous faut? Et alors, il va falloir que j'agrandisse. J'avais pas prévu ça, les amis. Ce n'était pas prévu au programme. C'est pas bien grave. Ne vous inquiétez pas.
Bon, ça y est, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut là? Allez, on est reparti sur 5 par 5. Il fallait juste que j'active. Je vais remettre sur pause tout de suite. 5 par 5. Et là, vous voyez, on va pouvoir reproduire exactement le même schéma que j'ai produit tout à l'heure. Bon, là, je mets mes champs tranquillement. Attention, il n'y a pas de. Il y a vraiment. C'est vraiment les. Le début. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas tout ça. J'ai pas poussé le gameplay assez loin pour vous montrer ce qu'on pourrait faire avec les arbres fruitiers, les processeurs agricoles et tout ça. J'ai vraiment pas fait tout ça. On peut, du coup, là, si vous voyez, faire nos petits fermiers locataires. Je vais les poser, un petit peu au hasard. Volontairement, je refais exactement quasiment le même schéma. Ici, je peux pas le mettre ici parce que vous allez voir le silo, il va être bloqué avec le silo. Hop, je détruis ça, je détruis ça. Et là, on va pouvoir reposer le silo. Malheureusement, je n'ai pas de bois. Donc, on va activer la maison patronale. Le silo, il est où? Il est ici. J'attends juste que j'ai 200 de bois, si je peux les avoir assez rapidement. Vous allez voir, normalement, on va pouvoir le faire ici aussi. Je vais faire comme ça. Donc, pareil. À chaque fois, un champ d'écart. J'attends juste qu'on ait suffisamment de bois. Et en fait, j'étais presque en train de me dire, peut-être que dans les parcelles de un champ sur un champ, on pourrait venir poser des arbres. Les arbres fruitiers, bien sûr, qui n'est pas débloqué à l'heure actuelle. Mais on pourrait très bien venir essayer de caler des arbres un petit peu par-ci, par-là. Mais voyez un petit peu ce layout pour débutants, en tout cas, jusqu'à un certain nombre d'habitants. Je pense que c'est relativement faisable de partir sur ce layout-là. Il me faut 200 de bois. Est-ce que je peux construire très rapidement cabane de bûcheron? Voilà. Ça fait 17 de plus. C'est juste pour vous éviter de vous attendre, de vous faire attendre trop longtemps. Pas dans un rayon de 5, c'est pas grave. Au moins, on est à plus 32. Ça permet de passer le cap des 200. Et voilà notre silo. Et vous voyez, on a reproduit en fait exactement les deux mêmes lanes. Ici même, voilà un petit layout global que je peux vous montrer. On peut très bien le refaire de ce côté-là. Tac. Et là, vous voyez, on respecte vraiment toutes les conditions du silo, toutes les conditions de la maison patronale, et on est vraiment sur une optimisation des champs. On pourrait aller encore plus loin en mettant des fermiers locataires type. Attention à bien garder. 12 de champs, on va voir si c'est suffisant. Là, actuellement, on en a 12, donc c'est parfait. On pourrait très bien poser du fermier locataire partout. Alors, pas dans les coins, parce qu'il faut minimum 3 champs aux alentours. Mais par exemple, on pourrait faire quelque chose comme ça. Entre chaque champ, on va dire, chaque champ qui est intermédiaire, on pourrait poser beaucoup de fermiers locataires comme ceci, qui vont venir produire un petit peu plus qu'un simple champ. Voilà un petit peu ce que je peux vous montrer. Écoutez les amis, je pense que n'hésitez pas à me donner d'autres layouts si vous avez aussi fait des recherches sur les champs. Peut-être même si vous avez fait des recherches sur les champs avec des arbres fruitiers, des processeurs et tout ça. Là, ça se complique vraiment parce que chaque item de champ supplémentaire a ses propres conditions, a son propre rayon de conditions. Donc franchement, ça se complexifie. Mais déjà, pour un début, on a ce layout-là. Donc n'hésitez pas à respecter ce layout là. Vous voyez, petit layout sur deux lignes qui se répètent. Donc je vais vous montrer. En gros, c'est même un carré qui se répète, un carré de 4 champs qui se répète. Celui-ci, un champ full avec la maison patronale, le silo. Et après, vous avez 3 autres champs proches. On pourrait très bien prendre ce carré là par exemple. Celui-ci, je vais pas le supprimer, mais en gros celui-ci. Vous voyez, celui-ci, c'est un carré que vous pouvez répéter. Alors, ce que je trouve dommage Dans Urbeck, j'allais dire Foundation, mais on n'est pas du tout dans le même jeu, c'est qu'on puisse pas dupliquer des bâtiments et dupliquer des emplacements, dupliquer un ensemble. Vous voyez, ça aurait pu être sympa, je trouve, de pouvoir dupliquer. Ou alors je ne l'ai pas. Je l'ai pas utilisé, mais si ça se trouve, on peut le faire. Cacher l'interface. Désactiver la mini-carte. Menu principal, non, bah écoutez, je crois pas qu'on puisse
dupliquer. Ça aurait été sympa de pouvoir dupliquer. Moi, je me dis que ça aurait été pas mal. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez utiliser ce layout. Si jamais vous l'utilisez, dites-le moi. Ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné. J'espère que vous avez apprécié la série. Et je vous promets un autre City Builder qui va arriver prochainement. Pas du tout dans le même style. Plutôt dans le style de City Skylines, qui va prendre un petit peu le relais. Donc, si vous aimez les City Builder, restez connectés, restez abonnés. Et vous serez très bien au courant d'un nouveau City Builder dans un genre un peu différent. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.